c'est parti. C'est parti. Welcome to Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech in Aurora. Together, we are building tomorrow. Il s'assit mystérieusement sombré près de l'archipel d'Oroa, siège de Skelltech dans l'incapacité d'établir le contact avec Oroa, la CA lance l'opération Greenstone, la tête d'une escouade de Spec Ops formée de 32 Ghosts. On est dans l'avion, j'ai pas lu la fin. va voir sur le site pour la personne qui n'arrive pas à rentrer sa clé. Je pense que c'est sur le site de la bêta que tu dois entrer ta clé. Et non pas sur... Ouais c'est ça, c'est sur le site de la bêta. C'est pas sur Uplay directement. Salut Miska. Je vais repréciser, on est sur PC, hein. Comme toujours, si ce n'est que comme toujours, je joue la manette. Mais quel combo. et voilà, et maintenant les gens me demandent souvent ce que j'ai. Du coup, j'ai un Ryzen 7 2700 et une 1070. Et je stream sur la même machine que je suis en train de jouer. Personnalisons. Propre, hein. On fait toujours un gars, hein. J'ai passé 4 jours dans le menu. Non, on va essayer d'être rapide. En vrai, la tête de départ était très bien. Avec l'air sévère. On prend toujours les yeux gris, ça c'est bien. En général, je regarde toutes les coupes pour finir par prendre... Ah, c'est pas mal comme ça aussi, ça fait genre... Ça fait longtemps qu'il y est, quoi. Putain, je regarde juste. On peut pas tourner sa tête. J'aurais bien aimé tourner sa tête pour voir ce que ça donnait. Non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Remets ça, enfin. Ça, c'est compliqué de voir quoi que ce soit. Ah, je pense que là, il faut qu'on joue dans le délire du jeu. C'est-à-dire qu'il hein, y a longtemps qu'il s'est pas rasé. Ouais, comme ça, hein. Sinon, on met très chevelu. Ah, très chevelu, quand même. Pas pratique, hein. Refait Marcus, au pire. Ouais, non, mais il est cool comme ça. Ça va. Des favoris. Attendez, je vous... Un petit côté... comment on appelle ça? Conquête de l'Ouest. Non, mais il est bien comme ça. Couleur des cheveux. Tac. Ah, c'est marrant comme ça aussi. Je fais jamais de perso blond. Jamais. Les bonnes réflexions. Pouilleux. Oui, si tu veux, Shiner. Obligé, je fais un Wolverine. Ah, je veux le voir, tu me feras un screen, du coup, Mini. Ah, mon Dieu. You suffered. Terrible. Attendez, on va peut-être lui faire une cicatrice. Pareil, j'en fais jamais, mais là, je vais lui faire une cicatrice. Le gros coup sur le nez classique. Franchement, ça t'arrive, t'as l'air con, quoi. En plein milieu comme ça, c'est même pas badass. En plein milieu du visage, coupé en deux, le gars. Le coup à l'œil. Là, on se dit, putain, respect. Allez, des petites cicatrices pas trop... Enfin, je dis pas trop, il en a quand même une grosse sur le côté, hein, mais bon. Avec le nez, ça... C'est peut-être plus logique. Se péter le nez, c'est quand même fréquent. Allez. On part là-dessus. Celle-là, on sent que tu l'as fait exprès. Hein. Tac, tac, voilà. Hop.
Vous avez vu, j'ai pas passé trop de temps. Eh! Ça se remue moins bien dans la boue. C'est parti. Bon, là, je vais prendre la manette du coup. Pour une fois. T'as vu? Bon, une fois n'est pas coutume, hein. Les pilotes d'hélico ne font jamais leur feu. C'est quand même notre deuxième pilote tué en 12 heures. Ah, ça rend bien! Ça rend bien. Pilote 9! C'est ça. C'est propre. Oula. Eux aussi on les connaît, ils étaient dans Gears hier. Mais c'est pas comme ça si vous voyez des drops. Normalement il n'y en aura pas. Mais... Ah, voilà. Et un pilote de moins. Oh là là, c'est terrible quand même. Pauvre Jean. God damn it. Si, c'est un lundi. Ça commence comme un lundi. Voilà que là, une prof qui a Terre Wounds ou la tête à l'envers, c'est de l'autre côté d'ici. Faut que t'il qu'il active ses chaussures gravité. La gravité. C'est une excellente idée, ça. Tu saignes beaucoup, hein. Tu feras gaffe. Eh, je suis content. Nice. Ça fait plaisir qu'elle soit streamable en plus, cette bêta. J'ai un tatouage de mes seigneurs en bas. Alors, soignez la blessure. Allez. Yeah. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo sur le PVP du jeu que j'avais testé directement chez lui. Si ça vous intéresse de voir du PVP, vous en avez sur mon YouTube. J'ai plus le lien. Le lien, s'il te plaît, Mimi. Je ne l'ai pas dans mes raccourcis sur le stream deck. Avant du haut. Ça, c'est du sable mouvant. Hein. Allons-y. Ah, c'est marrant, vous avez vu, on peut masquer l'interface. Puis ici des crashs, les colonnes de fumée, tac-tac. En bas, bien sûr, mes balles, on a un silencieux. Bah, let's go, hein. C'est vrai que l'endroit rouge c'est négatif. Excusez-moi. Ah, regardez, il y a un truc avec du soin ou je sais pas quoi. Je t'ai vu. Parfait. Des seringues. Donc là on choisit, tac 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 tac. Pour l'instant on n'a pas besoin de seringue de toute façon. Moi j'ai l'impression qu'il veut que je le fasse donc. Voilà ça. Hop! Quoique on peut les avoir de base hein. Hop! Salut Raider. On va se faire allumer, on sera pas vrai. Hey,
Non, recharge. Tout va bien. Tout va très très bien, enfin pour l'instant. On peut pas leur piquer leur arme par hasard? Non, parce que c'est autre chose qu'un petit pistolet. Non. Non. Et là, on a des cadeaux par contre. Ça devient intéressant. Seringue, seringue, grenade. Des balles. Tu dois cacher les corps? Bah là, non. Ils sont pas 4 millions. C'est le début du jeu quand même. C'était assez triste. Moi, je vais faire un truc furtif. Il m'a repéré vachement bien quand même, hein, le gars. C'était quoi, suicide, gros? Mais non! On y avait dit de pas découpiller la grenade! That's messed up, man. Terrible. Ah mais je connais bien Ghost Recon, hein. T'inquiète, non. T'inquiète, t'inquiète. Récupérons toutes nos affaires, hein. La tête, la tête. Mais non, c'est très bien, gosse, ça je suis sûre que ça touche. Pa 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 pa. On vise la cadence. Exactement. Ça me rappelle quand je jouais quand j'ai découvert les petits pistolets sur des signes. Qu'est-ce que j'étais relou avec ça? Faire des games entières à faire piu 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 piu. Ah mais merci bien. C'est pas un map ça. Alors. Donc oui, comme je disais, j'ai déjà joué. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, hein, j'ai déjà joué, vous avez déjà une vidéo sur. Sur ma chaîne, j'ai joué au PVP il y a mi-juillet. J'ai joué au PVP. Salut, Piment Blanc. Donc je connais déjà les loadouts, tout ça, comment ça fonctionne. Même si j'ai pas passé des heures dessus, puisque on pouvait pas capturer ça. On pouvait capturer que la partie jeu. Donc voilà. Et d'ailleurs, il faudra qu'on trouve un petit casque. N'est-ce pas? Par contre, du coup, c'est. Pour l'instant, j'aurais pas les. Ah. Vas-y. C'est bon, je crois qu'on est silencieux là. Ouais. Seems good. Normalement, on peut l'enlever ou le remettre d'ailleurs. Avec une des touches. Yep, c'est ça, Panda. C'est juste parce que t'as mis un lien, hein, t'inquiète pas. Donc, pour ceux qui ont une clé, effectivement, c'est pas utiliser un code sur Uplay. My soldiers. Soldiers. My soul. My friend. Non, il est sans doute en vie. Les yeux ouverts comme ça. Nowhere to go. Il réfléchit au sens de la vie. Bah ouais, c'est bien, la course, c'est une activation au clic. Parce que c'est quand même sur le stick. Du coup, ça va. Cette façon de prendre des mines? What a life!
Parfait, Delphine, qu'est-ce là, vous avez vu? À part pour l'assaut de la caisse. Est-ce que vraiment j'ai envie de faire comme ça? Vous avez vu là, c'est quels endroits ils sont deux? On va prendre. Merci, Psyta, pour ton prime. Très bien. Merveilleux. Oh, il avait de l'argent en plus. On aime ça. Merci, Psyta. Tout lien avec nous sera fortuit. Quand vous abonnez, je gagne des crédits dans le jeu. La grosse syntaxe. C'est vraiment bien fait, hein. C'est beau la technologie, hein. Ah, une casquette. Parfait, c'est ce que je vous disais qu'il nous fallait. C'est sûr, il n'y a pas de chapeau. Bah, ça fait mal. Bon, la casquette protège pas trop des balles, hein. C'est pas fou. Il va avoir un bon cardio, hein. C'est beau là. C'est beau, c'est beau. Ouais, il y a encore des potes là-bas. En tout cas, mon arme était tellement bien. Le rechargement est long. C'est ouf. J'ai pas rejoué à Wayland juste avant, donc je saurais pas comparer. Mais il me semble que c'est assez long quand même. Ah, oh, on va faire une photo de ça, c'est sûr. Après avoir tué le méchant. Le bad guy. Il va avoir de belles cuisses, exactement. Où est du monde? Je sais pas si mal passé. Ah, est-ce que ma vie remonte? Je vais voir ça. Eh ouais, en fait, c'est par barre. Niveau 2! Ouais. On va chercher la boîte d'abord. J'ai eu des chaussures, les gens. J'ai mangé de tout. C'est terrible. Ça, c'est joli. Il me semble que t'es pas le seul, Alex. Je sais pas si l'artiste est encore là, mais justement, il va régler ça aussi. Et bah j'en sais rien du coup pour connexion en cours. T'as regardé si c'était pas ton pare-feu? Des fois ça fait ça. Des fois les pare-feux bloquent les accès comme ça en ligne. Alors, ça y est, on peut choisir notre classe. La quatrième n'était pas disponible quand j'ai... c'était le médic. Elle était à droite d'ailleurs quand j'ai joué. Marrant. Donc on a le médic, soigne et ranime les coéquipiers, dispositif déployé, soigne les blessures et donne un supplément de santé. Réanimation accélérée, vous transportez le corps plus vite, auto-réanimation possible. L'auto-réanimation possible, ça peut être cool. Bon, moi ce que j'avais joué sniper. Blessure de pénétration, offrant des bonus de dégâts et de vitesse initiale, pour retenir plus longtemps votre souffle, bonus avec le fusil sniper à précision. Ensuite, la panthère. Un écran de fumée vous fait disparaître. Utilisation sur soi. Bonus furtivité, déplacement accéléré. Oh, les silencieuses armes de poing et des pistolets mitrailleurs ne réduisent pas les dégâts. Sympa. Après, ça correspond plus à ce que je fais normalement, quoi. Assaut, atténuation du recul et résistance aux dégâts. Les éliminations rendent de la santé et prolongent l'effet. Arme d'interdiction de zone lancée à la main. Bonus de santé, bonus avec les fusils d'assaut et. À pompe. En vrai, par rapport à comment je joue, ce sera un de ces deux-là. Mais le sharpshooter est très fort. On découvre Holidage pour la partie PVE. Donc. Ah bah, je te réponds la même chose du coup, Blade Raider. C'est-à-dire que là, j'ai 15 minutes de jeu sur.
sur Breakpoint et 2h30 sur Gears, donc pour comparer. Je pense que t'as une plus grosse durée de vie sur Breakpoint, donc si ça peut être un argument peu concernant, tu vois, par rapport au fait que t'en prends qu'un seul. Et ensuite, vous avez toutes les améliorations. Il va y avoir des choses passives, des choses actives. Regain de santé, nanana. Je pense qu'en en fait, tous peuvent avoir les trucs. Hein. Du coup, vous préféreriez que je joue quoi? Vous allez choisir. Je vais faire un petit straw poll. Vous allez choisir la classe que je vais prendre. Comme ça. Ce sera votre faute. Alors. Straw poll. Classe. Donc on a, pour résumer, le médic, l'assaut, la panthère, c'est furtif, hein, et le sniper. Bon, sachant que sniper, je l'ai déjà joué du coup quand j'ai testé le PVP, donc ça peut être intéressant de faire autre chose. Alors, je vous envoie le lien du straw poll. C'est parti, streameuse, je vais prendre le buff streamer, s'il vous plaît. Je vous ouvre ma porte pendant que vous votez. J'arrive, il fait chaud, ça y est, terrible. C'est la motivation, ça. Oui, c'est sûr. Faire tout en panthère. Ah, le panthère me tente bien. Attends, je regarde le résultat. Ah, vous êtes sur panthère pour l'instant. Allez. Ça a l'air de partir sur panthère. Votez. Pourcentage d'abstention terrible. Faut voter, les gens, pour faire valoir vos droits. Tac. Mais ouais, le médic a l'autorise, mais tu l'as pas tout de suite, quoi. Donc c'est pas... Panthère peut disparaître. Panthère me plaît bien. Les gens qui ont regardé ça en rediff sur YouTube, mais enfin... Mais c'est long. C'est parce qu'ils ont pas le chat qui cause. Ici. Voilà. Hop. Allez, ça va partir sur Panthère, du coup. Très bien. Tac. Et ben, ça me plaît bien. Vous avez bien choisi. Vous êtes de qualité. Donc panthère, c'est parti. Excusez-moi, je vous fais un gameplay alternatif souris manette. Paf. Et ensuite, quand on aura un prochain point, on pourra avoir le parachute, très pratique. Les lunettes de vision nocturne pour Mini. Débloqué par défaut en mode Ghost War, ok. Dans le PVP du coup. Vitesse de rechargement, mobilité. Ah, vitesse de rechargement, ça joue. Ça... Ah, 20% de mes XP. Bien plus important. Ça marche, Panda. Ouais, je saurais pas t'aider sur ton souci, mais j'espère que tu vas trouver une solution. Et salut, Dick Freddy. Bon, attendez, du coup, on n'a pas encore fait notre magnifique photo. Hop. Est-ce que tu peux te mettre de face, comme ça, ce sera mieux. Ma photo. C'est important, hein. Ah, là, on est badass. Vas-y, regarde en face. Hop. Très bien. Ah, je pense que c'est une question de goût, du coup, ouais. Moi, comme j'avais déjà dit, je suis plus... quand ils ont fait l'annonce, je suis plus hypée par l'univers qu'on nous propose là que celui de Wildlands. Ça me touchait moins, le coup des cartels, tout ça. Là, le... Même là, le côté... La technique et tout, mise à l'honneur. J'aime bien. Mais bon, comme tu dis, c'est question de goût, clairement.
Cloud 1-1, this is Weaver. Come in. Over. This is Weaver. Come in. Over. Anything? Ugats. Contact! Contact! Oui, les paysages étaient très beaux, mais là aussi, il est censé y avoir plusieurs biomes et tout. Joey Weaver. Ben voilà. No regrets. Donc lui, vous le connaissez si vous avez fait la dernière opération qui avait été proposée sur... sur Wildlands, enfin la dernière, je sais pas si c'était la dernière, mais en tout cas ils l'avaient faite avant justement de faire leur annonce. Les ennemis dangereux et très dangereux sont notifiés par un marqueur au-dessus de la tête. Et bien sûr, faut un gear score, le gear score qui va être la moyenne de tout ça, ou l'addition d'ailleurs. Je sais pas, là il me dit pas à combien je suis. Et là c'est 150, donc on est mauvais. Si on y va, on se fait des pop. Attends, mais il me repère déjà? C'est pas un peu grave vénère? Non, justement, c'est... regarde. Tu vois, là 11, 1... les équipements apportent alors je vais pas dire de bêtises, je dirais de la résistance. Attends, je vais regarder. Je dirais de la résistance. Après, le gear score, ça peut jouer sur plusieurs choses dans les jeux, ça peut être aussi sur tes dégâts, tout ça. En fait, tu es ce que tu portes, c'est quelque chose de très fréquent maintenant dans les jeux. Mais en tout cas, c'est pas de la déco. Oh là là, on se sent on se sent bust, dis donc. Ça peut changer le field of view. Je vais vérifier ça pour toi tout de suite. Je reprends la souris, hop. Paramètres, on va regarder un peu les paramètres si vous voulez. Donc là je suis en standard, un point de difficulté. Vous en doutiez, je pense. Donc là, c'est tous les trucs d'accessibilité, etc. Tac, 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 tac. Je pense que ça va être plus loin. Les commandes, bien entendu, vous pouvez les personnaliser, vous voyez. Ah, je me demande si... Ah, il y a plusieurs configs. Ah, j'aurais dû prendre une autre config, du coup, peut-être, pour la course. Ah non, c'est la config, mais je peux la personnaliser. Excusez-moi, je me perds. Tac, tac, tac. Dites-moi si vous le voyez. Pourquoi ils mettent framerate à arrière-plan? J'aime pas ça. Ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Que tu pars de zéro et que tu hop. Je pense que c'est ça. Ça vous va comme réponse? De toute façon, je vous laisse regarder, hein. Oui, hop. Langue des menus, nanana. Ah tiens, un truc qu'il faudrait que je vire, c'est le vocal. Tac, tac. Appuyez pour parler, bon, parfait. Désactiver même, vas-y, hop. On va éviter. Très bien. C'est bien, hein, maintenant les jeux proposent vraiment beaucoup d'options d'accessibilité. Enfin, pour ceux qui font l'effort, c'est grave cool. Hop! C'est bon? Oui, après, t'as aussi normalement des tenues. En gros, du visuel, quoi. Juste.
On va prendre l'extérieur d'abord. C'est diffus par ici. Ok. Ah mince, faut que je fasse du cac pour ma juge de panthère. Lui, je peux me le faire du coup. Ah, didacticiel. Alors, la page compétente vous permet de choisir votre classe de ghost. Chaque classe est dotée de capacités passives ainsi qu'une technique de classe. Commencez par développer votre première classe. J'ai déjà fait. Ça y est, c'est fait. Vas-y, on va prendre ça. Je sais pas si on est limité en niveau sur la bêta. Ça va pas parler. Attendez, il est de dos ou de face, lui? Ok. Oh, ce contournement des enfers. Ah shit! We don't have the numbers to search an area this big. Damn! We got a survivor! Take him out! Mais fuck! J'ai eu un doute sur la touche. Comme je l'avais pas fait, je savais pas la touche. TTDR. Excusez-moi. C'est un petit fail. Il y a du monde là-bas. Il y a du monde là. Alors le couteau, ça dépend de ta classe, il me semble. En fait. Si je dis pas de bêtises. Il manque une cible. Je sais pas où il est, mais... Il est où le dernier Brandon là? Il est face à moi normalement. Où es-tu? La technique attaque furtive. D'accord, c'était pas très clair mais... pourquoi pas, hein, c'était joli en tout cas. Il y avait un effet. on peut progresser jusqu'au rang 10 chaque classe, ok. Ah, donc on pourra faire les autres au pire. Très bien, pour épingler les défis à accomplir avant d'atteindre le grade suivant, nanana. Allons voir ça du coup, hop. C'est le chasseur, c'est ça. T'aimes pas la coupe de mon perso? Ah bah d'accord. Eh bah ça juge. Je vois le genre, tu es ennemi en étant furtif. Disparaissez avec subterfuge. Non mais c'est ça l'histoire ça. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc là, c'est épinglé, bah bah bah. Mais en vrai, bon, j'ai pas besoin que ce soit épinglé. Quand même. Vu les défis, on devrait pouvoir s'en rappeler, hein. C'est bon. Ah, je peux le mettre même à la place de l'autre. C'est moi qui choisis, vous avez vu, je choisis les emplacements d'interface. Genre, je pourrais le mettre à la place de lui, je pense. Ah non, je peux pas. Mais du coup, je peux le mettre là et épingler un truc ici. Marrant. Alors, on avait eu des genouillères. Très bien. Hop. J'ai cru que j'avais un autre point, mais pas du tout. J'aurais mis une petite coupe de hipster. Ah bah oui, dans la jungle. Quelle bonne idée. Alors, je mets le ventilo. C'est la jungle, ça. Du coup, ouais, on fait le chasseur de The Division. J'ai le spray aussi, là, attendez. Prends un utilisateur indétectable par les drones.
stylé. Does anyone read? 555, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing? Ghost Lead, you can chase the White Rabbit. Or run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost Lead out. Ok. Donc voilà, tout coup, je démonte une arme inutile pour en extraire les pièces. Hein. C'est pas une arme inutile, quoi. Le truc, c'est. Lequel truc est sa cadence? C'est la vraie question. Bien sûr. Je vais l'essayer. Mais j'ai pas envie de le démonter, hein. C'est mort. Ok, c'est du... Too bad. Ah ben, tu peux anticiper. Bah alors, on s'est mis dans un rocher. Allez, sors. Sors ta tête. Ok, il reste un là-bas. Seems good. C'est bien, on a nettoyé. On va peut-être se prendre un petit véhicule. Bon, ça risque d'attirer du monde et tout, mais ça peut être marrant. Ah, comment il court dans l'eau. J'imagine le gars qui a dû faire la motion capture de la course dans l'eau. Avec tout son attirail en plus. Ah, un nouveau petit pistolet. T'as des coffres quoi? Coffre. Ah, je me mets ça dans le coffre quoi. Mais pas bien là. Plotch, plotch, exactement. Bon, moi j'ai envie de prendre une moto, bien entendu. Attendez, attendez. On arrive à faire un scream. Alors c'est dur de faire un scream quand t'es manette. Hein. Enfin, la moto, tu vois. Non, je peux pas. Il faudrait que j'utilise autre chose pour faire le scream. Parce que faut que j'appuie sur ma touche et en même temps je maintiens plein de trucs. Là aussi. Ah, ça fait plaisir ça. Feels good. Salut. Ah, c'est plaisant le gameplay des ghosts, hein. Moi j'aime bien. Comme vous dites dans le chat, plotch, plotch. Du coup, je vais jamais augmenter ma classe panthère. Je crois que j'aurais dû mettre sniper en fait. Terrible.
Il y a une bête sauvage pas loin. J'espère que... qu'elle est amicale. Si c'est une panthère, ça devrait aller. Alors le spray, attendez, je relis. C'est pour les drones, le spray, hein. Et où est-ce qu'on voit que j'ai ma compétence active? Ça doit être par rapport au nombre de fringues, la barre à gauche. Enfin, je sais. C'est ça. J'ai appuyé sur la commande, vous voyez, ça clignote en rouge. Ah merde. Je vais pas faire ça, par contre. Et la gâchette en haut pour changer d'épaule. Du coup... Non mais... Arrête. Arrête maintenant. Ça suffit, Vandal. Possible de voir la map. Tout est possible. Alors, nous, on est ici. Vous voyez ce qu'on a fait, là? Du coup, c'est... On n'a pas encore joué une heure. C'est cette zone. Et vous avez tout ça. Ça va, hein? C'est plutôt... un bon terrain de jeu, quand même, hein? À savoir que les maps PVP sont directement, d'ailleurs, sur les zones. Enfin, sur la vraie map, quoi. Quand vous arrivez au bord, ça vous dit que, attention, vous sortez de la map, justement. Il sort le 4 octobre. Je vous rappelle que vous avez les infos sur la bêta ici, et vous avez aussi les infos sur l'opération Mandown, c'est comme ça que je l'ai appelé. Enfin, ça s'appelle Mandown, c'est donc une action caritative que fait Ubisoft pendant la bêta, pour chaque personne ranimée. Bon, bah du coup... Ça va être compliqué dans mon cas, mais... Pour chaque personne réanimée, ils vont en fait... ça atteint des paliers. Je vous montrerai ça. Ce sera plus simple si je vous montre avec la... Et selon le palier atteint, ils vont faire du coup un don de plus ou moins grande ampleur à l'association Charles Play. Voilà, c'est ça. Qui du coup... Bah, s'occupe de rendre heureux les enfants, alors si j'ai bien lu, hein, dans les hôpitaux et dans les foyers, en les faisant jouer aux jeux vidéo. Voilà. Du coup, il y a ce petit objectif. Donc moi, quand j'ai regardé, c'était juste une demi-heure après que les serveurs soient ouverts, donc on était à 3000 réanimations. Mais du coup, c'est assez sympa d'avoir mis ça en place. Voilà. Et vous avez le lien aussi dans la commande, du coup. Comme je disais, c'est bien, ils ont bien réfléchi le truc, ils ont pas mis les kills, parce que bon, ça aurait été un peu moins... Attendez, on va prendre une voiture maintenant. Je vous fais la full démo. Ils glissent. Ils glissent pas, je suis déçue. Ah, oh, parfait. Ah, pas mal ça. Allons-y! Tiens, je me demande s'il y a la conduite auto. Il y avait la conduite auto dans Wayland, non? Je crois bien. Je vais exprès là. Hein. Les gens vont croire que je zigzag. Allez, hop. Oh. C'est stylé ça! On va faire une photo! Avec mon poteau, la statue là! Trop bien de pouvoir virer l'interface en un truc comme ça! Moi j'aime bien! Attendez, mais il y avait un panorama, non? Regardez, sur la carte c'est marqué. Je pense que c'était juste le truc à récupérer. Mais... Nous, on est là pour visiter aussi, hein. Regardons sur la map ce qu'ils en disent. Un lieu intrigant à explorer. Genre, il y a une grotte? Pas de grotte, hein. Non, je pense que c'est juste un landmark. Oh! My god. Ah, par contre, petit confetti. Lumos Maximo, par contre. J'imagine qu'on a une lampe torche quelque part. Ah bah!
Pour dévisser déjà, c'est ça, ok. Par contre, pourquoi je suis sur ma mine? Oh! J'ai trouvé des trucs, les gens. J'ai aussi un intel à collecter. Bah, y'a que ça. Ok, objet à ramasser, localisé. Affiché. Augmenter vos connaissances du monde, nanana. Je peux l'épingler. Ici. Dans le sud de la province de New Sterling, au sud de... Oh, mais c'est genre en mode jeu de piste un peu, on dirait. Oh, ça va me plaire si c'est comme ça. Mission de faction, objet à ramasser, c'est avec Maria. Arme, accessoire. La enquête, du coup. Trouvez des indices pour résoudre les divers mystères que vous découvrirez sur votre chemin. Faites la lumière sur ce qui se passe autour de vous pour gagner de l'XP et débloquer de nouvelles enquêtes. C'est nice, ça, hein. Qui a coulé le bâtiment militaire américain? Et... Où sont les soldats qui ont exécuté les ghosts? Donc là, faut faire une mission, ok, et là... Ok, les deux, c'est des missions pour avoir accès à la suite, ok... Je regarde un peu du coin. Là, pour découvrir. Donc là, c'est juste un espèce de catalogue, là où j'étais. Attends. Mince, faut que je retrouve l'endroit. Je sais plus où c'était. Enfin, je l'ai pas en... Terrible! C'est stylé en tout cas. Dans le sud de la province de New Sterling. Alors si on regarde New Sterling. New Sterling, New Sterling, New Sterling. Oh, c'est loin. Au sud de Glenneux. Là. Dans la nature. Et là on est censé trouver un truc. J'aime bien, hein. On va le désépingler pour l'instant. Alors. Voilà. Ouh! Donc, si vous voulez désépingler quelque chose, les gens. C'était tout finalement, je suis contente de la trouver. Donc, pour désépingler, vous allez sur votre map, vous maintenez tab ou flèche du bas, et ensuite, avec les flèches, vous allez pouvoir aller sur l'item et le désépingler. Eh bien, c'était une grande aventure. Et vous noterez d'ailleurs que vous avez aussi, du coup, je vous redis. Les objectifs avec, du coup, ce que vous allez avoir comme récompense. Spoiler. Ah bah moi ça me plaît, écoute, Angox. Ça me plaît bien. Clairement. On essaie notre MP7 du coup. Même si j'ai envie de sniper. Le jeu est beau. Le jeu plaisant en termes de gameplay. Comme j'ai dit, moi je préfère cet univers. Mais forcément, la MP7 a plus de recul. Hein. Je suis sur PC. I was passing one of the ancient villages the other day. The whole thing was cleared out, empty. Vines growing through roofs and all that. Goddamn shame. There's so much history there. Those ancients really cared about the environment. They didn't cause any trouble. Ah, oh, ça marche pas du coup. Attends, je vais essayer du coup le subterfuge. Voilà, comme ça j'ai rempli mon objectif. Super. Génial. Si j'aime bien, tu vas bien aimer. C'est comme ça que ça marche. Ah voilà, c'est le clic sur le stick qu'il faut faire. Comme il repère assez vite, j'avais pas capté la touche pour faire l'élimination. C'est bon. Du coup, on va remettre l'autre. Hein. C'était juste pour montrer à quoi ressemblait la MP7, mais... C'est pas mon kiff.
Tout du moins avec ma façon de jouer sur ce jeu. Du coup, notre promotion. Ah bah tiens, ils nous en donnent encore une autre. Pour le coup, là... J'ai pas testé toutes les armes qu'on trouve, quand même, hein. Du coup, tes ennemis en étant furtifs, tes ennemis au corps à corps, tes trois ennemis avec un pistolet mitrailleur sans recharger ni changer d'arme. D'accord. Du coup, il faudrait que je garde la MP7. Ça compte, la MP7. Tac, et la petite promotion qui va bien. Hop, super. Recharger plus vite, c'est quand même cool. Hein. Ah. Alors, plus 40% munitions max, ramassage de munitions, 10%. Plus de pièces en démontant les armes. Plus 1% de munitions max. Un truc pour l'arme de poing. Vision thermique, c'est stylé. Ah, un drone, bien sûr. Des ressources. La grenade que j'avais utilisée en PVP, c'est pas exactement la même d'ailleurs. Ça lui fait rien. Ah, ça peut être sympa aussi, quand on court. Ça, c'est rigolo. Moi, je veux faire ça, je veux faire de la cuisine. Vitesse de déplacement. Alors, attends. Tac. Et paf, il tue les gens. Viens voir. Sympathique. Le marquage auto. Plus de furtivité. Et là, ça va partir sur... Ah bah non, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Si, c'est bon. Je pars sur plus de furtivité. Même si les ressources et la cuisine ont l'air marrant. C'est que c'est un avantage supplémentaire pour vous renforcer et définir votre style de jeu. Mince! Il vous faut 2 points, de toute façon. Dis-nous tout. Les avantages vous donnent des aptitudes et des bonus uniques pour mieux affiner votre style de jeu. Débloquer de nouveaux avantages, anglais compétences. Très bien, donc là on a accès à un truc. Ok. Ah bah c'est ce qu'on a choisi, la furtivité ou du coup la vitesse de rechargement. Donc on va se mettre plus furtif quand même, hein. Vous avez décidé qu'on jouerait Panthère. Je passe beaucoup de temps dans les menus, hein, mais c'est aussi pour pouvoir bien vous montrer comment fonctionne le jeu. Et pas juste foncer sans faire gaffe. Ah, c'est dans profil. Objet à ramasser. Mais je pense que c'est de base. Ok, dans le sud-est de la zone interdite 1 à l'est de Devil Forest. Intéressant, ces histoires. Et là, on est dans quel onglet, du coup? Ah, didacticiel, vas-y. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vachement plus sympa, la recherche d'objets comme ça. Ça a l'air bien plus cool. Alors, dans la zone... Interdite 1, je pense que ça c'est quelque chose, on pourra pas y aller. Hein. Mais on verra, hein. Si on a, on fera bien entendu. Donc ça c'est des infos sur quelqu'un. Il m'a mis un petit marqueur. J'ai pas rêvé. Ah non, c'est pas un marqueur, c'est que ça allait me donner des sous. La map a l'air persiste. Ah non. Et d'ailleurs, normalement, je sais plus combien ils ont dit, 2 fois plus grande que celle de Wildlands. Non, elle est pas petite la map.
Enfin, à mon sens, hein. Après. J'ai pas non plus joué des heures. Ah oui, effectivement. Ah. Ah, il y a un véhicule. Je fais tous les véhicules, tous les... Faut qu'on regarde si pistolet mitrailleur ça marche. 3 sans recharger, ça se fait assez... C'est bien. On prend un raccourci, hein. Voilà. Il n'y a pas une grosse reprise sur cette voiture. Il y a bien un truc à 3 km, mais ça doit être mon objectif. J'ai un truc en face, déjà. J'irai plus vite à pied, les gens. C'est chaud. Je dirais plus agréable, la conduite. Dans le premier, ça avait quand même tendance parfois à partir en steak. Très facilement. Dans le premier, d'ailleurs. C'est rigolo de dire le premier. C'est pas le premier, je reprends tes paroles, mais... La licence Ghost Recon ne date pas de Wildlands. Le premier jeu labellisé Ghost Recon que j'ai joué... J'allais dire, non, sur le PC avant avec les big box, c'était du Rainbow Six. C'était sur PSP. Hold. Il y a des trucs à récupérer ici normalement. Il doit y avoir un trou encore. Le truc. Paf. Une façon de faire. Elle ouvre. C'est tout. Comment que c'est tout? J'aime bien ces petites caches et tout, oui. Ce côté jeringue. Bien sympa. Ouais, PC. J'ai pas mis dans le titre. Ah, j'ai pas mis dans le titre. Mon mauvais. Bon alors, c'est juste pour faire nos 3 kills à la MP7 là. J'espère qu'ils sont 3 dans leur bagnole. Ça m'arrangerait énormément. Et ça recharge bien. Dites-moi qu'ils sont 3. C'est bon? Je crois que ça va pas compter. Ça va marcher. Reviens, Georges. Où tu es? J'aurais dû le faire au claque. Bon, ça n'a pas fonctionné, je crois, pour mon objectif de... On va vérifier quand même. Ah, 2 ennemis, 3 ennemis avec un pistolet mitrailleur sans recharger. Ah, faut le faire 3 fois. Bah, je crois. Je vais vérifier. On verra bien. Vas-y, un petit gilet, hop. Je préfère vraiment sniper, mais bon. Je suis en train de réfléchir si j'avais cherché le truc, mais oui. D'accord. Ça a bien fonctionné, hein. J'étais bien zéro avant. J'ai un doute, en fait. Je crois... C'est pas dégueu ces objectifs liés à la classe. C'est pas mal.
Allez, il y a une voiture. On va prendre une voiture. Quoique, on est arrivé là. 500 mètres. Enfin, une fois. Laissons-le respirer 2 secondes là, il en peut plus. Ça va aller. Ah, il y a encore un truc. Là, c'est carrément sous le pont. Vous avez vu là? Bon, j'ai pas non plus passé mon temps à récupérer tout ce qui traîne. Excusez-moi. Mon mauvais. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. J'aurais dû prendre la voiture, du coup. Sale histoire. J'arrive. 200 mètres. De survivor. Ouh, avec un petit hélico et tout. Seems good. Obligé, on repart en hélico. C'était loin du nord. Je suis pas originaire du nord. Hein. Je ne parle pas ch'ti. J'ai rien contre ça, mais je ne parle pas ch'ti. Je veux dire, c'est juste un. Il n'y a pas de... Parce que j'habite à Lille, que automatiquement je vais me mettre à parler. Et comment vas-tu? À qui arrête? On se dit quoi? Je sais pas du tout le faire d'ailleurs. C'est nul. C'est trop nul. Désolée. Mais mes respects, bien sûr. À mes compatriotes. Terrible. Faire boycotter moi, ça y est. Bon allez hop. Je suis originaire de 77, ça fait pas rêver. Hein. Pas du tout. La banlieue parisienne. Merci monsieur Char pour ton renouvellement du subgift. Vous êtes prêts? Cette découverte qui dure des heures et des heures. Excusez-moi, hein, mais... Je kiffe. Stop right there. Oh, c'est Maria, je pense. I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense, you know? Just watch how you handle that weapon. We don't allow shooting in Erewhon. And what's Erewhon? The cave. So we call it. Get in. Très bien. Et vous avez un autre à me dire, hein? Rejoindre l'invité des joueurs, je pense qu'on pouvait pas avant ça du coup. Merci monsieur chat, d'autant plus, c'est des hot dogs les emotes. Parce qu'il y a les streamers, eux. cette écriture inclusive énervée qui mérite, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. Ah, mais moi je te déteste, j'imagine, je sais pas. Merci beaucoup en tout cas.
Je rigole, bien entendu. Hein. Trop stylé, la planque. Oh, man. Oh là là. Photo. En même temps, ça spoil. C'est embêtant. Là, ça spoil pas trop si je fais comme ça. Salut, Franck. Ah, j'aime bien. C'est vrai que l'univers me plairait, en fait. Oh, regardez les vrais gens. Jean. Ah, c'est lui. You boys all right or what? We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Can you believe this place, man? Goddamn. My mind's blown. Yep. And they're friendly, more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds? No clue. But there are definitely hostiles out there. Tangled with some troops out there who were calling themselves wolves. You know who we're dealing with? Now you're dealing with me. Cowboy. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw-up. Hey, old man. You playing nice? I'm just trying to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago overall went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, our choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Yep, je pense, Angok, c'est pas plus mal. Best we can tell, some kind of military takeover. Sentinel, military contractors, they put this place under martial law, using the old boot-in-the-neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J-Skell advertised. Where can I find J-Skell? The head of Skeltech himself. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? We're just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list. For now, let's see our wounded. Yeah. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? And then come find me. I'll give you the guided tour. Allez. Ouais, puis c'est pas long en fait, hein. Si tu vas direct à l'objectif, moi c'est aussi parce que j'ai fait les petits détours par les points d'interrogation, ça. Mais en moins d'une heure, t'es prêt pour une petite, puis au moins, t'as choisi ta classe, t'as fait ton truc. C'est pas plus mal. Ah, oh, c'est bien fait. Alors, funbox, tableau d'objectif. Ah, mais c'est pour ça, les gens. J'avais pas ça. C'est pour ça qu'on le trouvait pas dans le menu. Tout s'explique. C'est que j'avais pas encore accès à cette fonctionnalité. C'est où, funbox? Là. Ah, là, pour le coup, je peux aller chercher ça. On peut. J'ai envie d'aller chercher l'arme, moi. C'est tentant, non? Je pense que ça peut être sympa. Les enquêtes, du coup. Waouh. Ouais, je pense que c'est un jeu que j'aurais envie aussi très, moi, perso. Pour le coup. Ce serait dommage de faire autrement.
Surtout que vous avez les soucis, tout ça, je vous pas de soucis. Hein. Jusqu'ici, vous allez découvrir le jeu de façon guidée. Les icônes de mission s'affichent dans le HUD, ok. À partir de maintenant, le mode guidé est désactivé par défaut, à vous de déterminer vos objectifs. D'accord. C'est grave stylé. C'est carrément mieux. Il n'y a pas déjà un mode comme ça sur Wildlands? Il y a un mode comme ça, non? Il me semble. Ouais, ok. Moi, on va aller à Mount Machin d'abord. Dans le nord-est, dans la mine de Balpic. Peut-être là. Hein. Je vois bien ça là. Ouais, ça me semble pas mal ici. Ça peut être là, hein, mais... Allons voir. On a dit qu'on repartait en hélico à tout prix, hein. Donc on part en hélico. Obligé. Hop là, un petit découpage. Ah, c'est vrai que j'ai le parachute en plus. Allez, ça part sur un petit saut en parachute de ouf. De près. Let's go. Comment j'ai niqué mon interface avec autant de missions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller se placer ici. Ok. L'idée étant d'être à proximité des gens. C'est pas une super idée, mais bon. Ça fait. Tout seul, de toute façon. Je sais pas si j'ai encore le drone. Enfin, je me sens vraiment en mission spéciale là, les gens. Je vais pas prendre. J'ai pas le drone, ok. Ah, on va se heal réellement, je pense. Si on lance roquette. Ah, vraiment, s'il est heal! T'as fait ça comment, Brenda? Ok, j'ai re le drone, attendez. Profitons-en. Repérons les dernières cibles qu'on n'avait pas. Ce serait dommage de ne pas le faire. C'est un peu la première base. Sur Wildlands. J'étais arrivé la nuit, ils faisaient tous dodo du coup. Lol. C'est marrant, les civils comptent quand même comme. C'est assez étonnant. Des gens ici, mais je les vois pas. Ah, c'est dans ça.
Ok, c'est bon. En vrai, il détectait les drones, non? Alors. Normalement, il n'y a personne là non plus. N'importe quoi, je suis... Oh, je vais me mettre sur l'espèce de bissière là, c'est pas vrai. Ça s'appelle opération opération minage. Nikki, de son prénom. Amazing. Attendez, attendez. Ah non, moi je vais monter là-haut, attends, je vais y arriver. C'est pas vrai. Non, mais monte! On va monter le côté. J'imagine trop un ennemi qui observe la scène qui dit mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette personne? C'est moi, je voulais me mettre sur le. Sur le toboggan là. Il y a de l'idée, non? Moi, je pense qu'il y a de l'idée. Je crois que je peux pas franchir pile là. Oh non, en fait il passe à côté. Je peux pas mettre sur le toboggan. Je suis assez déçue. Choquée et déçue quoi. Attends. Le toboggan est encore là. Il y a encore moyen de faire quelque chose. Dis-moi que tu peux monter. Oui! Il y avait écrit grimper. J'ai vu, il y avait écrit grimper. Je sais que tu peux le faire, Brandon. L'opération toboggan peut débuter. Yes. Let's go. Ah non, bah non, pas avec cette arme. Ça y est. L'opération démarre. Oh là là, saute pas. Je vais y éclater un civil. C'est bien. Il existe un deuxième toboggan. Allons-y. Ils ok. Ils m'ont pas vu. Je ne suis pas là. Attendez. Oubliez-moi. Marche pas. Ils viennent là, je suis foutue. Je n'existe pas. Alert, alert. Ils sont juste là. Je me fasse les trois. Je me fasse les trois. Vous êtes prêts? Chance.
Je trouve ça bien plus prenant seul en fait. Il y a plusieurs, tu cours, tu fonces dans le tas et puis... Trop drôle. Il va où lui? Ouais, juste que j'arrive à remonter en fait. Ah, je peux pas remonter, c'est ouf. Salut Miss Master Chief. Bisous aussi. Punaise, it was about time. En fait, je qu'on n'a pas été eu. Tout va bien. Je parle pas du seum hein, d'ailleurs pour le It Was About Time. Merci en tout cas. Oh regardez comment ils sont partis en expédition de ouf les autres là. Les deux là. Oh les Brandon. Oh ils ont lâché l'affaire. Lol. Comment ils rejoignent leur poste hyper vite. Là, je suis un peu loin, hein. À mon sens. Par rapport au snipe. Not good, not good. C'est infiltration. Ah, ça me fait rire. Tu vois, c'est que je suis en pleine lumière et tout. Quelle bonne idée. Ah, ils sont quand même déjà à 200 mètres en fait quand je suis là. C'est beaucoup de 200 mètres pour tirer sur quelqu'un. J'attends. J'aurais dû viser la tête. Je pensais que je l'avais en un coup. Il faut leur faire deux coups. Yes. Ouh, il allait me détecter. Hein. Nice. Deux coups pour les gros du coup. C'est quoi le plus bien? Il y a un mec qui est mort et qui a laissé une arme. On va tout là. Ouh! J'ai un nouveau pantalon, les gens. Vert, en plus. Ah, vous voyez? Les gens qui demandaient. Regardez. Ah non, j'allais dire il a des stats, mais pas du tout. Attends, j'ai cru voir des stats, pourtant. Si, plus 2% vitesse de régénération de santé.
ou toi tu vas prendre. Oh, c'était sûr. Il était tellement bien placé, lui. Oh, nice, on a des jumelles. Attends, les jumelles, c'est les visages uniques. Sans doute. Je sais pas du tout c'est quoi les... Ça, c'est pour le montrer. Mais ils sont tous en dessous. Ah oui, c'est vrai que c'est ici, tout à fait. Non, mais le pire, c'est que je l'ai déjà fait. C'est ça qui est génial. C'est... Parce que j'ai joué au jeu il y a... 2 mois, du coup. Mais j'ai déjà oublié. Putain, 2 mois. Ça passe grave vite, en vrai. Donc, effectivement, j'ai les jumelles ici. Je pourrais éventuellement mettre à la place de... Ça a pas fait le petit pet de quand on tue quelqu'un? Genre il est tombé mais... Lui aussi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais il monte. Non il descend. C'est le petit pute. La petite croix. Le truc qui te montre bien que t'as bien frais. Ils sont tombés, ok, mais... Moi, je veux le petit pute. Avec la croix. Les meilleurs bails. Et il était. Ah, je l'ai pas ressenti pareil que quand c'était plus proche. Bon, c'est peut-être moi, hein. Ça n'a pas fait la même sensation que... qu'auparavant. Sinon, je regarde ce que je fais. Oh, c'est dangereux. En vrai, j'ai mon arme de poing, hein. C'est juste que je m'amuse à faire ça, mais... J'aime bien quand ça fait un pet bien précis, tu vois, là. Par contre, on n'a pas un super point de vue parce qu'on a clean la zone, ok? Mais du coup, c'est pas fou. Bon, si les civils peuvent donner l'alerte. Going around about some helicopter crashes. You heard anything? Nice. Ça c'était cool.
Dude, hey, you're making me anxious. Ah bon? Il me pourrait avec leur You making me anxious. Ah bon? Seen anything strange out here? There could be some real dangerous people running around. No, sir. Sorry. Je suis contente de ce que propose le jeu en termes de gameplay, c'est vraiment cool. Mais après, la façon de faire que je fais est un peu particulière, hein. Je prends mon temps, tout ça. Mais ça m'amuse. Je pense que c'est le principal sur un jeu vidéo. C'est vrai que j'ai fait Wayland, Gaël. Un peu beaucoup quand même. Un peu beaucoup. Terrible. Tu me rends triste, hein? Okay. Nice. Oui, avec leur casque, il faut quand même être assez rapide. Fuck, il bouge. J'aurais dû prendre la spécialisation sniper. Hein. Clairement. Je pense que c'était un peu plus intelligent, mais bon. Mais attends, j'avais envie de tester autre chose. Je vous ai déjà fait une vidéo avec le sharpshooter. Je vais le redire pour la 400e fois, parce que pour les gens qui auront tout vu, ça va être un peu relou. Mais... vous avez une vidéo PVP sur ma chaîne. On pètera les lampes après. Ça fait un peu trop obvious de péter les lampes. Oh non! J'avais réussi à tout faire! Oh j'y crois pas! J'avais réussi à tout faire sans me faire détecter! Ma vie c'est de la merde! C'est pas grave, c'était cool quand même. Je vais aimer. Nice story. Oh la zik, trop bien. Allez, va. Bien. On reste deux. Ah, ça sent bien. Non, ça c'est juste... Tu veux, maintenant on peut faire les lampes du coup. Vas-y. Celle-ci par exemple. Faudrait péter des plus grosses. Pour que c'est un réel impact. Là, je suis pas assez bien placé. Ah
Ah, on peut pas réellement, tu vois. Par contre, il n'y a plus personne normalement là. Non, c'est bon, calmez-vous. Ah, regarde, peut-être désactiver les trucs comme ça. Ah, c'est ça. Ah, 9. Cool. Bon, ça va, on l'a quand même fait quasi fufu. Moi, ça me convient. Est-ce que ça vous convient? Ça a failli m'avoir cette merde. Je savais pas que ça allait me détecter à proximité. Je pensais qu'il fallait que ce soit manié par un opérateur. Ah, ça y est, j'ai eu le plan, les gens. Et le plan, fallait le trouver dans une caisse. Trop bien. Good. C'était notre objectif. Et là, on peut avoir des intel en plus. Encore. Ouh, un bivouac. Trop bien. Il est où? Pas si loin. Ça peut être sympa qu'on aille se faire un bivouac. Je me mets une balise. Ah tiens, je vous l'avais dit en prenant l'intel, vous voyez. Ça a arrêté de faire n'importe quoi. MP5. Okay. Mais le random, c'est la chance d'avoir un loot. Tu dis, oh, trop bien! C'est mieux que le sniper que j'ai! Génial! Let's go! Alors, si tu sais déjà ce que tu vas avoir, c'est beaucoup moins joyeux. Tiens la preuve. Un tac 50! Yes! Vas-y, j'ai confiance, vous êtes prêts? Moi j'ai super confiance, ok? Ah, je sais que je peux changer de classe, t'inquiète, hein. Mais c'est juste que je me force parce que, comme j'ai fait une vidéo PVP en sharpshooter, je trouve ça dommage de reproposer. De faire que du snipe en fait. C'est un peu le truc qu'on a envie de faire forcément, mais les autres classes sont intéressantes à mon sens. Ah, médic, le médic a l'air ouf, hein, si tu joues à plusieurs. Il sera bien aussi en solo, mais il faut avancer parce qu'il faut, faut débloquer l'autorège. Je crois que tu l'as pas direct. Yeah. Voilà, j'avais raison d'avoir confiance en ma moto. C'est tout. Le médic autorège. Vas-y, c'est moche comme ça. Hop. Est-ce qu'on ferait pas une autre photo? Parce que je trouve qu'on n'a pas fait assez de photos. Et on aime les photos. Ah, t'as déjà le revive, c'est vrai? Putain. Attendez, il est fatigué. C'est pas facile tous les jours. Sa vie n'est pas simple. Attends, faut que tu prennes ton... On sait que j'ai attaqué à une espèce de base. Je me suis plainte du fait que j'avais pas pris le tac 50. Qu'est-ce que j'ai eu en loot? Bam! Un magnifique tac 50. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, là, il a la classe. Non, mais bah, par contre, faut que tu sois en hauteur, sinon t'es nul. Je pense que la photo va être cool. C'est quoi ce truc-là? C'est le sniper que... Mais t'as rien suivi, Shiner, en fait. C'est le sniper que j'ai looté à la base qu'on a attaqué avant. Il a beaucoup plus de portée, en fait. Et plus de dégâts. Tac 50, c'est un peu en mode une balle à mort, en fait. Et nous venons de débloquer un... premier bivouac. Le bâtiment, on va aller voir après. T'inquiète. Je pense que c'est un point de repère plutôt, mais... Très méditation ce perso en fait. Il fait trop rire. Alors, il est quelle heure? 6h30 du mat. Normalement, on peut cuisiner maintenant. Attends. Tac. Fabrication. J'ai normalement débloqué de quoi cuisiner. Oh! Vous êtes prêts? Il va pas bien.
On part sur ça. Juste pour essayer. Tac. Ah, je dois y mettre. Vas-y. Bien joué, Brandon. Il se remet en mode, tout va bien. Tout va très très bien. Résistance aux blessures encore, je pense. Plus 10 précision, c'est intéressant aussi. Hein. Et l'XP, bien sûr. Vas-y, on va se mettre de l'XP, vu qu'on va faire le truc. Hein. Plus, normalement, Koiba. Quelles sont mes premières impressions sur le jeu? C'est vrai que je vais me répéter. Attends, je vérifie juste un truc. C'est normal s'il n'y a plus le son, hein, c'est qu'il passe en arrière-plan. Tac. Tac, tac. C'est tout bon. Beau. J'aime l'univers. Très cool d'être comme ça, livré à soi-même. C'est très cool en groupe, je pense aussi, bien entendu. Au-dessus, en termes de finition de ce que tu as pu connaître sur Wildlands. Clairement. Il y a plein de trucs. Et l'histoire en elle-même est cool. Les ennemis sont badass et tout. J'accroche, mais je le savais déjà en fait. Depuis l'annonce, tout ça. Je savais déjà que j'allais accrocher en fait. C'est pas vraiment une surprise me concernant. Ouais, au tout début, on croise Aeran au deuxième point. Ouais. Oui, bah, il y a plein de petits trucs en plus en fait. T'es perdu tout seul sur une île. Alors tu te crashes et effectivement au début tu dois retrouver tes poteaux. Vous avez vu ce feu là? Je sais pas ce que c'est. Ah, il y en a un peu partout, ça doit être les emplacements de bivouac.